Excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alric, je désactive mon langage Rareware. On se retrouve pour la suite du Wokfu 100% de Yooka-Laylee. Regardez nos deux zigotos qui sont en train de se chamailler là. Au sommet du premier monde, absolument magnifique. Tropique tribulante. Donc on est reparti, donc je vous retrouve à l'endroit où je vous avais laissé, bien que ça fait quelques jours que j'ai pas enregistré. Et que je suis revenu ici juste pour qu'on soit pas trop paumé, enfin surtout au niveau des vidéos, que je vous retrouve pas n'importe où. Voilà, je trouve qu'on soit dans la continuité, voilà, j'ai pas trop exploré de mon côté. Par contre j'ai vu en revenant qu'il y avait quelques plumes que j'avais zappées en dessous, donc on va déjà les choper. Ce qui nous manque, et on va continuer d'explorer ce premier monde. Et peut-être que plus tard je ferai un peu plus de repérage pour voir si je peux récupérer... tout du moins voir des endroits qui sont assez suspects ou peut-être sujets à des Peiji. Ce bloc m'intriguait, d'accord. Je crois qu'il y avait un truc, mais en fait il n'y avait rien. En tout cas, c'est très étrange parce que je suis monté au sommet ici, mais il n'y avait absolument rien. Normalement, il devait y avoir au moins un Korogu caché. Non, c'est pas le même jeu. Bon, ben en tout cas, je vais redescendre pour l'instant. Ou alors, il faut débloquer quelque chose avant de revenir... au sommet de cet édifice. Elles étaient où les plumes que j'ai vues? Elles étaient en bas là. Ah ben voilà, mais Laylee, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait Laylee? Elle a pas... J'ai pas réussi à planer? What the fuck, je me suis écrasé comme une grosse dob. Bon, mais au moins je suis fixé. Quand on tombe de trop, on se fait mal. J'avais pas encore pu expérimenter ça. Hein. Donc maintenant je sais à quoi m'attendre. Là-bas, il n'y a pas grand-chose. Il y a des plumes encore de ce côté, donc je vais y aller. En fait, là, on suit le chemin de la course. Alors, je sais pas trop, parce que là, la dernière fois, en arrêtant la partie, il y a une scène cinématique qui s'est déclenchée dès que je suis sorti du monde. Et j'ai rallumé en catastrophe le logiciel de capture pour vous montrer ça. Mais bon, vous avez vu que je l'ai mis vraiment à l'arrache parce que la cinématique avait déjà commencé à... Ah putain, c'est trop haut. Elle avait déjà commencé. Donc bon, je suis désolé, mais ça m'a vraiment pris au dépourvu. Et c'est vraiment très intéressant de savoir qu'on peut, dès à présent en fait, soit agrandir... Enfin, dès à présent, en fait, il me manque une seule Peiji. Au bout de 3 Peiji seulement, on peut agrandir ce premier monde. Et en tout cas, on a le choix soit de l'agrandir, soit de passer au suivant. Ça, c'est très intéressant. Pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vous avoue que je suis plus tenté d'agrandir d'abord au moins une fois le monde. Je sais pas combien de fois on peut l'agrandir en plus. Je suis déjà tenté de l'agrandir au moins une fois avant de passer au suivant. Parce que bon, si je rush un peu les 5 et après que je reviens plus tard pour les agrandir... Là, je préfère faire les choses un peu plus proprement ou... Oh, il y a plein de pages là-bas. Peut-être pas tout faire à 100% à chaque monde d'un coup, bien sûr, mais... Ah, il y avait un fantôme farceur, là.
Le nargue? Comment ça marche? Faut s'éloigner peut-être? Ah! Attendez, je l'ai vu là. Comment on fait pour le faire apparaître? Faut le bouffer? Si je fais l'attaque rodéo, enfin pas rodéo mais... l'attaque tourbillon un peu partout. Là! Ah putain! Ou alors faut le toucher dans le laps de temps. Enfin durant le laps de temps où il apparaît. Mais c'est chaud! Il apparaît jamais. Là! Ah putain, il m'énerve! Ou alors faut pas le regarder comme les bouts? Non? Alors attendez, comment je faisais? Voilà, ça, c'était l'attaque rodéo. Je peux toujours pas sauter en faisant le flip-flap. Ah putain, qu'est-ce qu'il m'énerve! Ou alors faut lui balancer des trucs, genre ses tonneaux. Ah, je peux seulement les péter, à mon avis, je peux pas les porter les tonneaux. Y'a rien dedans en plus. Qu'est-ce qu'il a sur la tête cet ennemi? Et il avait un truc bizarre, lui. Peut-être que certains ennemis ont des aptitudes, ou alors c'est le chef de la bande, et il faut peut-être le buter. Ah, mais attendez, il y a un cochon, là. Un cochon qui se gave le bonbon. Je t'éclaire. Bonjour. Oh, il a des beignets sur lui, trop bon. Ok. Homme, nom, non. Homme, non, non. Scoff, salaud. Salaud? Mais c'est pas gentil, ça. Enfin, c'est vulgaire. Chevalier de cochon long. Cochon long. Ok. Pas difficile. C'est difficile à prononcer, tout ça. Hein. Voilà. Ils ont bien mis les roues. Ça, c'est bien rare, ouais. Mettre des roues en guise d'onomatopée. Alors, ils se sont... Qui s'est dispersé, là? Forcément, on va devoir les retrouver. Ses compagnons chevaliers. Ainsi que le trésor. Ben oui, écoute. On est là pour ça? Pour aider des cochons? Alors, où est-ce qu'il est? Mes pieds sont mouillés, mais ne soyez pas inquiets. À la noyade, je ne suis pas sujette dans cette ville gouttelette. Encore des sortes de gouttelettes. Je suis pas sûr d'avoir tout capté. on va continuer à explorer. Si vraiment je trouve pas ces chevaliers, on lui reparlera. Mais apparemment, c'est un lien avec de l'eau. Il a dit que le premier n'était pas très loin. Alors, j'ai l'impression d'avoir quasiment déjà tout exploré du premier monde, en fait, mais je me rends compte qu'il y a certains passages comme celui-ci qui sont un peu... ils sont dans l'ombre, en fait, ils sont un peu cachés sous d'autres parties du monde. Et c'est ça qui va être assez chaud pour tout explorer. Attendez, qu'est-ce qui se passe? What? Oh, une page à moitié déchirée. Trois autres morceaux. Ok. Ah, décidément, avec tout ce qu'on doit trouver, on va bien forcément tomber sur quelque chose. Mais attendez, on voit un truc en arrière-fond là à gauche. Je crois que c'est l'autre morceau. Je crois qu'on le voit de là. Un jeu moderne. Regardez, on le voit de là. Elle est là-bas. Ah, bah, il y en a même un autre morceau ici. 1 sur 3. Ah, mais ils sont apparus à partir du moment où je lui ai parlé, parce que je serais tombé dessus forcément avant. Je suis le troisième bout de Paiji. Alors, il en faut deux ou là, il faut trois? Sachant que lui, c'est le troisième, non? Ça suffit les deux là que j'ai trouvé? Qui étaient d'ailleurs très simples, parce que bon, on le voyait déjà quasiment. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on a lui. Bon, lui, je n'ai pas capté. Alors, est-ce que le premier était sauvegardé? Oui, c'est-à-dire que si je sors du monde, je ne suis pas obligé de retaper le fantôme que j'avais déjà chopé. Ah, ben elle est là. La troisième.
Caméra qui se bloque. J'ai diminué un peu la sensibilité de la caméra parce que je trouvais qu'elle... que lorsque je la dirigeais, lorsque je la bougeais, que je la tournais autour de moi, elle partait un peu en vrille. Elle était trop sensible. Et je pense que ce sera aussi mieux pour vous quand... Quand vous regarderez la vidéo, ce sera peut-être mieux de ne pas voir la... Ah ben, un autre. De ne pas voir la caméra qui bouge dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il veut, lui? On peut pas lui parler? Ah, il veut bouffer un truc. Il nous montre sa bouche. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Sachant que je crois pas qu'on puisse... porter des objets comme de la nourriture, mais bon. S'il y aurait pas un truc à proximité qu'on pourrait lui donner. Bon, je vais essayer de me souvenir qu'il est là, mais je vois pas trop ce que je peux lui donner à lui. Il y a peut-être un fruit à proximité. Comme la... Ça me rappelle la... Comment ça s'appelle dans le premier monde de Banjo, là? Il fallait nourrir le chimpanzé, la conga. Il voulait quoi déjà? Un melon. Non, c'était Chimpy. Chimpy qui voulait le petit melon. Enfin, non, même pas une melon, une orange. Mes souvenirs me font défaut. Une petite orange pour Chimpy. Et le conga, il fallait le bombarder deux. Bon, déjà, on va reconstituer la page. Hein. Blonde. Yes! Développer ce monde. Alors, est-ce que je peux pas me développer le suivant plutôt, peut-être, je sais pas. Très bien. Cool, ça. On va pas y aller tout de suite non plus. Alors, les fleurs qui font la gueule, là, je sais plus si je l'avais parlé à lui. Il faudra bien comprendre ce qu'elles veulent aussi. Elles sont bizarres, ces fleurs. Elles nous rejettent toutes. Alors, par ici, on était déjà passé, avec la fameuse course avec le nuage. Ce ponton, je ne crois pas que je l'avais chopé. Ah si, c'était pour aller vers l'explorateur. Ah oui, avec ces trois trous là, ces trois entrées. Ah, je suis pas sûr que je puisse faire grand chose ici pour l'instant. De plus que ce que j'ai déjà fait. On va peut-être prendre le petit chemin dérobé par ici. Parce que c'est un cul-de-sac. C'est pour apprécier la vue. À moins que je puisse monter par là plus tard. Ça me paraît extrêmement haut. Mais je veux pas monter là. Même avec Mario, je pourrais pas. Je me demande quelle capacité on apprendra plus tard si vraiment le gameplay s'éloigne de Banjo. Et également si on pourra séparer Yooka-Laylee, je pense pas, mais bon. En tout cas, ça me ferait bizarre de diriger seulement Laylee parce qu'elle me parlait, elle me paraît très frêle. Kazooie l'était aussi, mais Kazooie était quand même, enfin, une chauve-souris c'est plus frêle qu'un oiseau quand même. Encore, ah mais c'est lui un cochon chevalier. L'un de ceux que je dois trouver. Bonjour. Au combat, son arc le rend fort. À travers l'île, il bat des records. Moi, j'aime bien ce petit énigme à base de rimes. Mais bon, quand on me parle d'archer, ça me fait plutôt penser à Link, ce qui n'aura aucun rapport. Donc ça, c'est fait. On va essayer de procéder un peu par méthode, parce que là, je vais un peu n'importe où. C'est aussi le but de The Waku, mais bon. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah oui, une espèce de sentinelle. Ah! Peut-être que... Mince, je pensais que je pouvais la péter de... Ah depuis son derrière. Ah, alors attendez.
Je crois que j'ai capté. On a 5 symboles au-dessus. Le premier, on dirait le truc de la Switch. Je pense qu'il faut les retrouver parmi les symboles qui sont en dessous. Il faut peut-être faire une attaque rodée au-dessus. Ah, putain! Mais non! J'ai vu le premier symbole. Alors, comment fonctionne cette sentinelle-là? Dommage que j'ai pas les bombes. Là. Voilà. Oh putain, on est chronométré. Merde, j'aurais dû regarder un peu avant tous les symboles. Alors, je vois où est le deuxième. Je vais d'abord la repérer les 5 avant d'activer le timer. Le quatrième est là. Et le dernier, il me manque juste le dernier. Il est là, d'accord. Ok, on est parti. Alors, attention. Ah putain, par contre... Ah, la sentinelle me fait chier. Dégage. De vite avant qu'elle revienne. Le 3. Merde, il était où le 4? Il était là. Ah putain, non. On va faire le tour. Bon, c'est bon, il y a le temps quand même. Et voilà le travail. Tu es libre. Peiji. Une de plus. Nous en fait 4. Ah oui, il y a l'autre qui nous dit qu'on a déverrouillé un truc. Alors ça, je me demande vraiment ce que c'est, donc je vais aller voir. Par contre, ce perso... Je vais pas parvenir à m'y faire. Hein. Il ressemble vraiment à rien, ce perso. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans le haut. Des petites plumes cachées. J'ai vu que ce personnage qui donne les tonifiants était apparu dans la ruche, en dehors. Dans le hub. Donc, je pense que c'est un perso qui sera facilement accessible pour pouvoir augmenter nos capacités. J'étais pas venu par ici. Oh putain, alors attention. Si je saute là, je vais glisser à mon avis. Il y a encore une page de l'autre côté. Je vais essayer de monter au sommet. Avant de rejoindre l'autre. Ah, ça passe. Ah, il y a le machin là-bas. Cette vue subjective toujours aussi étrange. Il y a la molécule. Elle est accessible à partir des plateformes au premier étage de la structure là-bas. Oh putain, ça glisse. Attention, attention. Ah, ça passe. Je commence à avoir pas mal de plumes là. La cage, je pense pas que je puisse la choper là. Enfin, la page à l'intérieur. Il va falloir faire quelque chose pour l'ouvrir. À mon avis, ça va être un parcours chronométré. Oh non! Ça, c'est chiant, c'est pente, par contre. Je vais revenir. Je vais récupérer toutes les plumes, sinon... je vais avoir du mal. Soupe 2000 m'a dit qu'il fallait que je prenne absolument toutes les plumes qui passent. Et oui, parce que si j'en loupe une seule, ça va être la galère après pour la retrouver. Ah, ben voilà. Je m'en doutais. Un interrupteur pour voir la cage, on va être chronométré. Passer de l'autre côté. Alors, combien de temps? Ah non, c'est des cerceaux. Oh putain. Ah, c'est... Oh, vite, vite, vite. Oh putain. Oh, j'ai complètement foiré. D'accord, très bien. Ok. J'ai capté. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut m'y faire un petit peu au gameplay parce que là, il faut que je saute en plus en même temps. C'est pas forcément évident. On est reparti. Les cerceaux en plus. Boule. On saute. On saute. Oh, putain. Oh, on saute. Attention. Ah, si, non, c'est bon. C'est bon. Oh putain. J'ai pas réussi à très bien sauter, mais j'ai quand même... Je suis parvenu au bout. Et j'ai eu la plume que je voulais. C'est pas grave. Je suis retombé. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Très bien. Je vais revenir une dernière fois. Juste de l'autre côté, là, il y a un truc. Putain, il y a une tronche, là. Il y a un truc qui nous regarde. Un œil rouge, un œil bleu. Je vais aller le voir. Il m'intrigue, ce truc. Attendez, il n'y a pas il y a pas des plumes sous l'eau? J'ai rêvé. On peut rien faire, ici?
Pourquoi il y a un visage? Peut-être une entrée cachée ici. Ou alors c'est une entrée qui s'ouvrira justement quand on agrandira le monde. C'est possible. Attends, vas-y. Mais ça glisse là, mais what the fuck. Bon, on va aller voir l'autre avec son tonifiant. Alors là, j'ai un petit moment pour enregistrer, parce que je suis... J'avais posé un jour de congé, donc bon. Enfin, en même temps, j'étais occupé à faire aussi autre chose. Notamment le dentiste, hein. Il faut aller chez le dentiste régulièrement. Pensez-y, c'est très important, l'hygiène de vos dents. attendez. Ça m'intrigue aussi. Ah! Je vous salue, quel travail et pas de temps vous avez fait en laissant entrer la lumière pour mon défi. Ah, mais c'est ça les fenêtres. Si vous pouviez vous occuper des trois autres fenêtres bloquées, ce serait merveilleux. D'accord, c'est ça les espèces de fenêtres en fait, pour laisser passer la lumière. Oui, parce que c'est vrai que j'étais allé en dessous. Et la dernière ici. Sensationnel, entrez, je vous prie, nous allons organiser une compétition sportive avec un vrai prix à la clé, allons donc. Oui, c'était là qu'on y accédait. Alors, l'autre qui pionce, je sais toujours pas comment on fait pour le réveiller. Est-ce que je peux avoir un nouveau mouvement? J'ai 73 plumes. Alors, est-ce que je prends un truc pour tirer des projectiles? Alors, attendez, aspirer des objets comestibles. Ah, mais ça, je peux peut-être l'utiliser pour le donner au fantôme qui voulait un truc à bouffer. Ou alors des super sonnages. Je vais prendre le crash misère. De toute façon, je peux prendre les deux, en fait. Oui, je suis sûr d'avoir cette technique. Oui. Si vous tenez ça a des objets comestibles comme des baies, vous pouvez appuyer sur B pour les manger. Pour le monde du casino, mais elle arrête de spoil Layli là. Bon, je savais qu'il y avait un monde du casino, mais bon. Les proutes. On voit le niveau. Oh ben je vais prendre le dernier du coup, puisque j'ai encore plein de plumes. Oui, allez. Putain, je peux pas accélérer ça, cette ligne. Oui. Je valide. C'est mon dernier mot. Le boss du monde 3. D'accord, alors le gars il a déjà fait le jeu en fait. Le sonar d'attaque, il suffit d'appuyer sur Y. Ah d'accord, parce que pour l'instant il servait vraiment à rien ce bouton. Mon ami Violette effectue des tirs dévastateurs d'énergie sonar. Je peux tirer sur les ennemis pour les assommer ou activer des totems sonar pour découvrir les objets invisibles. Ça consomme la jauge de puissance. Je m'en serais douté. Une assurance de 18 mois. Très bien. Bon, je pense que j'ai eu tout ce qui pouvait me proposer jusqu'à présent. Alors les baies, je pense qu'il faut que je sois à proximité pour que ça fonctionne. Et le sonar, voyons voir comment ça marche. Ah d'accord, ce sont des petits cercles concentriques comme ça que Layli envoie. Alors fais-moi voir ça de face, de préférence. Je consomme toute ma jauge. Pas mal. Bon, après, il faudra que j'arrive à reconnaître les totems sonar, par contre. Hein. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Alors, machin. Alors, j'en ai débloqué qu'un pour l'instant. Un emplacement de santé papillon. Comment ça se débloque déjà? Ah, mais j'ai réussi à faire un truc, en fait il y avait une condition, mais je sais plus ce que c'était la condition, parce qu'elle a disparu. Bah, on va l'activer, parce que je peux
Avoir un emplacement de santé papillon. Ah, mais c'est pas mal parce que vous voyez qu'on peut le désactiver. En fait, c'est pas obligatoire. Ce sont des bonus, mais pas obligatoires. C'est pour faciliter un peu le jeu. Donc, si je trouve que c'est vraiment trop simple, je le désactiverai. Mais je sais pas pourquoi, je pense que je vais pas beaucoup désactiver les choses. Allez, on va revenir là-dedans.